Hey, mon Dieu, j'ai tellement besoin de toi, je ne sais même plus où mettre la tête. Mes forces m'abandonnent. Donc je vous explique comment le pain d'Ida est confectionné. Le pain d'Ida est confectionné à base des fibres de raffia, que voici. Le raffia, nous le trouvons dans les bas-fonds ou dans les zones marécageuses. Voilà, c'est là-bas que pousse le raffia. Le raffia, au village, nos parents prennent ça pour couvrir les maisons en banco. Voilà, donc c'est ce rameau que nous extrayons ces fibres. Voilà, et nous faisons sécher. Quand nous le faisons sécher, nous les rendons en ficelle. Approchez, vous allez voir comment se tisse le pain raffia. La laitue, la première laitue, la laitue jaune. Le raffia, Le raffia a trois couleurs. La couleur jaune, la couleur rouge et la couleur noire. Vous avez vu? C'est l'identité culturelle du peuple d'Ida. Si vous voyez le pain d'Ida avec plusieurs couleurs, ce n'est pas l'original. Le pain d'Ida, il a identifié par trois couleurs. Voilà, c'est ça qui est l'original. À travers le pain d'Ida, nous avons le premier pain appelé le bodet. Voilà, qui est fait à base de postes de l'arbre. Et le voici. Voilà. Voici la richesse culturelle du peuple d'Ida. Le pain bodet est ouvert, les enfants. Vous allez voir. Vous allez découvrir aujourd'hui. Vous allez venir découvrir. Et vous allez découvrir. Voilà. Donc nous, le pain d'Ida. Le pain d'Ida, c'est ce que nos parents prenaient avant pour se vêtir. Non, le pain tapa. Ah. Ça, c'est le pain tapa. Tapa. Le tapa, c'est le premier pain que nos parents prenaient pour se vêtir. Après ça, est venu le raffia. Le tapa, c'est à base de quoi? Le tapa, c'est à base d'un écorce de lame battue. Merci beaucoup. Maman, voilà, c'est ça. Les enfants de la Fondation Prophète Joël Crasson, les orphelins, décident de visiter les différents stands. Maman, en tant que mère, qu'est-ce qu'on peut dire aux enfants? Bien. Je voudrais saluer d'abord les artisans qui ont eu l'initiative de présenter les beautés qu'on fabrique chez nous. On regarde chez les autres, mais on fait ça aussi, on fait les merveilles chez nous. Vraiment, je vous remercie. Et aux enfants, je les encourage. Parce que, à travers la visite de ces stands-là, en tout cas, ils peuvent aussi s'intéresser à ce que les mamans et les papas font pour l'avenir. Vraiment, je les encourage et je leur fais un coucou. Merci beaucoup. Nous poursuivons avec. Ça, c'est le sac au dos de notre maman. Voilà, chacun a son sac au dos. C'est à travers ce sac au dos qu'ils ont fabriqué les sacs au dos que vous portez pour aller à l'école. Donc, ça, c'est le premier sac au dos du peuple d'Ida. Le peuple d'Ida est un peuple très intelligent. Et c'est à travers ce sac au dos qu'il y a eu les autres sacs au dos. Voilà. Donc ça, c'est le sac au dos tissé à base des duretins. Voilà. Voici un peu le sac au dos. C'est tissé à base du rotin. Voilà. Animatrice Oprah qui va nous faire visiter notre tricoteuse, son stand d'exposition. Merci Armando, comme tu l'as si bien dit. Nous sommes au stand de la tricoteuse et Madame Blandine Safier en est la responsable de ce centre. Nous payons dans les mercenneries pour aller tisser et nous avons des photos. Est-ce que c'est n'importe quelle fille? Par exemple, moi je veux raccommoder mon habit, je prends. Voilà. Vous voyez le fil? Ah, ce fil. Il est différent de ce que vous avez l'habitude de voir. Vous voyez qu'il brille.
C'est ça. Et vous voyez l'épaisseur du fil. C'est tout ça. D'accord. Alors, je vous passe le micro. Expliquez un peu le fil aux enfants. Ils vont penser aussi que c'est la seule couleur. Tout ça, vous pouvez écouter. Il y a plusieurs couleurs. C'est selon la couleur du pain que nous faisons confectionner. Tu viens et tu amènes un petit morceau du pain et nous choisissons la couleur ensemble et nous confectionnons. Il y a d'autres, on peut confectionner un jour, d'autres deux jours, d'autres trois jours. Ce qui vient d'arriver maintenant, que tout le monde est chaud dessus, coupé à la taille. Vous avez un exemple de coupé à la taille ici, je pense. Là, c'est en une semaine. Oui. Et ce que vous voyez est suspendu il y a un jour et un jour, deux jours, et puis deux jours et demi. Bon, moi je fais un jour, deux jours parce que je suis vieille, à partir de 16 heures je ferme. Voilà, voilà la raison. Sinon, tu peux confectionner plus que ce que je suis en train de vous dire. Et si vous avez des apprentis, actuellement je viens d'arriver d'Abidjan, je n'ai pas d'apprentis. À cause de ça, je vous dis, je confectionne 2, 3. S'il y a des apprentis, vous pouvez confectionner 4. Moi, je t'ai demandé, ça veut quoi est 10 pour fabriquer un tissu. Elle a dit, mais elle peut le répéter pour toi. Vous tissez avec quoi? Les instruments. Tous les instruments, vous avez commencé, vous n'avez pas terminé. Vous utilisez quoi? Vous avez montré le fil. Est-ce que le fil seulement suffit? Qu'est-ce qui se passe après? Oui, c'est avec le fil seulement nous tissons. Avec quoi encore? Et le crochet. Voilà, le crochet. Le crochet. Ça va? Cet instrument-là, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas. C'est ça? Le coucheur de ciseaux. Des aiguilles, des pinces pour pouvoir pincer. Est-ce que le crochet a des dimensions en fonction du produit? Est-ce qu'on a besoin de prendre un crochet plus petit, plus grand, mais c'est le seul crochet? Il y a plus petit, il y a plus grand, mais ce qui est bon, est recommandé, c'est le numéro 3 et le numéro 4. Vous avez entendu? Donc, qui confectionne. Allô. En sous de pied droit. On danse et on est venu s'amuser. On danse un peu. Merci. Merci de nous avoir accompagnés. Nous sommes arrivés. Merci à la régie. Au fil, pour le tricotage, maintenant on est à la maison Nas au couture de Divo et nous sommes chez un couturier. Est-ce que lui là, c'est un technicien? Je te demande, c'est un technicien? Non. Comment on l'appelle? Un couturier. Un couturier, c'est un qui? C'est quelqu'un qui coud les habits. Oui. Mais... Actuellement, on parle de carnaval artisanal. Donc, on est chez un autre? C'est un artisan. Très bien. Un bon pour elle. Alors, un artisan. L'artisan en question est là. Il est dans son stand. Il n'est pas seul. C'est Ingrid Amoué-Sagin. À l'état civil et c'est moi-même. Ah, c'est toi-même. Ok, la voilà, on l'applaudit. Nas Couture, vous voyez, nous avons les. On les appelle comment? Mannequins. Mannequins. Les mannequins qui portent des tenues. Et là, on retrouve un autre genre de pagne. Voilà. C'est une robe de mariée. Une robe de mariée, mais pas n'importe quelle robe de mariée. Vous pouvez expliquer ce qui se passe là? Voilà. Vous avez une robe de mariée, oui. Parce que on a tendance à se marier en robe blanche. Là, Nas Couture a décidé d'innover. On est en Afrique et précisément en Côte d'Ivoire. Oui. En Côte d'Ivoire, ici c'est Divo. Divo il est un pagne. Et Nas Couture a voulu valoriser ce pagne. Exactement. Pas le pagne tissé, mais ce qui est fait à l'usine. C'est ça. Voilà. Donc, on a décidé de faire une robe de mariée avec de la guipure et le pain divin, c'est-à-dire le pain divin coton. Alors, vous avez remarqué que ce pain-là ressemble un peu à ce qu'on a vu. Et comme on le dit, là, c'est ce qui est fait à la main. Et bien dit, là, c'est ce
qu'elle fait allusive. Et là, on y a fait une robe de mariée. Tantam peut durer 2 ans et 30. Voilà. Parce que tous les tantams n'ont pas la même manière de monter. Alors, quand ils sont plus petits, 2 ans et 30, donc, au fur et à mesure. Voilà, c'est au fur et à mesure. Au fur et à mesure, ça veut dire. Le petit tantam fait 2 heures et 30. 2 heures et 30 pour la confection. Et le moyen? Le moyen, c'est la petite. Oh, tant qui est. Les étapes, c'est quoi? Les enfants, posez une question. Vous voyez un truc? Comme on a fait, c'est quoi? Et savoir, savoir quoi c'est fabriqué. Tout ce que vous utilisez, les matériaux. Ok, les matériaux, on a d'abord le bois, ensuite, ensuite le fer, les fils et la peau. La peau de quoi? Bon, ça peut être, bon, c'est peau de la mou, mais ça peut être cabri, ça peut être biche, ça peut être la gazelle. Même le piton aussi. Aujourd'hui, on célèbre les artisans. Donc ici, on est avec un autre artisan qui va se présenter. Et qui va se présenter. Bonjour la population de Divo. Et bien encore, merci à nos enfants, voilà. À nos petits frères. C'est ceux-là même hein, qui vont tenir la Côte d'Ivoire de demain. Amen. C'est très important. Les voir ce stand, c'est important. Donc, voilà, nous sommes allés voilà. À l'école. C'est formation en bâtiment. Institut de formation du métier du bâtiment. Saint-Joseph, l'artisan. Ok. Donc qu'est-ce qu'on apprend là? Nous apprenons la maçonnerie. Maçonnerie. Revêtement du sol. Revêtement du sol, c'est quoi revêtement du sol? Carrelage. Carrelage. Peinture. Peinture, électricité, mm-hmm. Sanitaire, ouais. Sanitaire, c'est la plomberie, ce que vous voyez ici. D'accord. Et alors, la construction métallique. Métallique. Oui, oui. Alors, quelles sont les conditions à remplir pour entrer dans votre institution, dans votre établissement? Oui, effectivement, les conditions, oui. C'est à deux volets. Oui. Il y a des hommes qui ont appris sur le tas. Mm-hmm. Et ceux qui ont appris sur le tas peuvent venir se professionnaliser dans notre école. D'accord. C'est pour cette raison que nous avons mis des cours d'alphabétisation gratuits. Ok. Maintenant, pour d'autres personnes qui sont allées jusqu'à à la classe de 6e, oui. Peuvent venir s'inscrire pour faire le CAP. Et le CAP, la formation, c'est sur 3 ans. 3 ans. Ceux qui ont appris sur le tas, la formation, c'est sur 6 mois. 6 mois. Avec un stage pratique de 4 mois. Ok. Alors, donc, qu'est-ce qu'on paye? Effectivement, l'inscription, c'est 20 000. Les enfants de l'établissement Crasso, de la Fondation Perpétuelle Crasso, espoir de vie. Espoir de vie. Ils doivent retenir que dans la vie, il faut être bien formé. Bien exercer son métier. Donc il faut passer par l'institut de formation pour mieux avoir la connaissance. Ok. D'accord. Donc le monsieur a dit 3 ans pour ceux qui viennent, n'est-ce pas? Pour avoir 6 mois pour ceux qui voudraient le certificat de qualification professionnelle. Oui. D'accord. Alors, est-ce que. La Corinne a dit, les enfants, nous vous disons au revoir et merci d'être venus. Les enfants, merci d'être venus à la première édition de la caravane artisanale de Tibo. Vous pouvez vous applaudir.